Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro-Congo News Sport. La journée du 3 juin est consacrée partout à travers le monde à la célébration de la bécane, entraînement du vélo, occasion pour la Ligue de cyclisme de Kinshasa d'organiser le prix ou encore grand prix dénommé Robert Ollen, un tour ou une compétition remportée pour cette année en version masculine par Nkwe Tando et en féminin par Urim Etebunga, témoin de l'événement, Déborah Londa, Binois et Benjamin Zing. 68 cyclistes prennent le départ de la balade de la journée mondiale du vélo, selon l'itinéraire que voici. Boulevard du 30 juin, l'avenue du 24 novembre, le boulevard Triomphal, l'avenue des Huileries et pour chuter à la gare centrale. Il est bon de noter que cette balade est effectuée par de coureurs vétérans et quelques amateurs. Pour pimenter la journée, le coureur professionnel, dans les deux versions, ont rivalisé d'ardeur afin d'arracher le trophée Grand Prix Robert Ollen du nom d'un ancien cycliste congolais. Notre ministère s'appelle aujourd'hui à matérialiser la vision de la couverture santé universelle, la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. À cet effet, quoi, il est besoin de rappeler que le gouvernement de la République dirigé par son Excellence Jean-Michel Samalou Kondé, chef du gouvernement, a inscrit dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle les axes les plus prioritaires.
C'est aussi l'occasion pour moi de rappeler que notre pays n'a pas de piste cyclable qui reste en deçà des demandes. C'est aussi l'occasion pour moi de rappeler combien le cyclisme est abandonné dans notre pays. C'est pour nous non seulement une passion, mais une question de santé publique de voir ces dames, ces demoiselles continuer à s'entraîner malgré leurs maigres moyens. Cette année, j'avais voulu particulièrement initier le prix Robert Hollein, du nom de mon père, qui était un cycliste en son temps, parce que toute sa jeunesse, nous disait-il, il allait à l'école à vélo. C'est donc ainsi qu'en son nom, nous allons initier à partir d'aujourd'hui un prix pour récompenser l'effort, la patience, mais aussi la persistance dans le travail. La course a été enlevée, respectivement, chez les messieurs par Mkwe et par Uru Utebunga chez les dames. C'est plaisir, mais avec les entraînements et grâce à la préparation de mon président, j'ai gagné. C'était pas facile, mais avec les entraînements, j'ai assumé. Merci à tous mes fans qui sont là. J'espère que ça sera pas la dernière fois que vous venez me soutenir. J'aurai toujours besoin de vous. Le président A.I. Bruno Dalla a fixé l'opinion sur l'organisation de cette journée. Vraiment, c'est une réussite. Et puis, c'est notre ouverture de la saison. On devait ouvrir la saison depuis le mois de mars, mais avec quelques petits problèmes qu'on avait, mais du moins, avec l'intervention de son Excellence le ministre, il nous a quand même sponsorisé pour quand même réaliser ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est de rappeler que la journée du vélo est célébrée le 3 juin de chaque année depuis 2018. D'un président AI à un autre, président AI de la Fédération d'automobile de la République démocratique du Congo et actuellement ministre des Sports et Loisirs, le ministre donc, le président a été à l'honneur. Ses anciens collaborateurs au niveau de la Fédération d'automobile de la République démocratique du Congo lui ont offert un dîner en son honneur. C'était à la maison de défense de la commune de la Gombe en présence de Christian Vital Motomongo. Et bonheur, ma foi, mon ami. C'est dans une ambiance conviviale que les membres de la Fédération d'automobile du Congo ont reçu leur président, François-Claude Kaboulou-Moala-Kaboulou, désormais ministre des Sports et Loisirs. Dans son mot des circonstances, le vice-président de l'écurie Panthère, Pierre Kangombi, a exprimé les soucis de la FEDACO tout en félicitant le patron du sport congolais. Je veux rappeler les difficultés dans lesquelles, à cause de la Fédération automobile de la FDC, et c'est depuis plusieurs années et reste de mer. Notre souhait le plus ardent est la prise en charge et soutien par le gouvernement de la FDC, comme il agit ainsi pour d'autres fédérations. Nos souhaits et nos voeux sont que Dieu vous soutienne en toutes circonstances pour la réussite de votre mandat. Au nom de tous les membres sympathisants, aussi les membres respectifs de nos familles, nous vous présentons toutes nos félicitations et nos remerciements. Kaboulou Moala Kaboulou a rassuré les uns et les autres de son accompagnement. Je ne peux pas oublier les origines. Parce qu'on a traversé des moments de bonheur, on a connu aussi des moments difficiles, mais on est resté toujours soudés. Le sport automobile nous a permis de connaître des moments merveilleux à travers toutes les forêts de la RDC que nous traversions, de génération en génération. Donc je voulais vous assurer de mon soutien et de ma collaboration totale. Il est vrai que le sport automobile n'a pas beaucoup bénéficié de l'appui du gouvernement congolais. Ce n'est pas de la mauvaise foi. Je pense qu'il manquait des interlocuteurs pour intervenir. Mais maintenant que l'enfant de la maison est quand même ministre des Sports, la moindre des choses, c'est d'assister sa fédération, d'assister l'écurie Panthère et de l'encourager. Donc, je suis pressé aussi de connaître votre calendrier de différentes compétitions, de manière à ce qu'on se mette ensemble et qu'on voit dans quelle mesure nous pouvons très très vite retrouver
mettre la route. Ensemble, ils ont examiné le voisin moyen pour évancer ces sports mécaniques de Tomoto. Pouvoir remettre la fédération sur pied, remettre à flot des épreuves auto et moto en RDC. Et donc voilà, on va te présenter dans peu de temps un petit une différence d'objectif. Et voilà, donc il faut qu'on puisse propulser le sport auto et moto ici en RDC. Et on compte sur toi pour nous donner un peu de main. Tout s'est clôturé en beauté. Vive le sport automobile! Plus que 53 jours nous séparent du lancement des 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa. Les Jeux de la Francophonie, justement, on en parle après cette bande d'annonces. La République démocratique du Congo, le plus grand pays francophone, organise du 28 juillet au 6 août les 9e Jeux de la Francophonie. Tel que mentionné dans son discours du 31 décembre 2022, face à la nation congolaise, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promis d'organiser parmi les événements majeurs de cette année 2023 les 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa. Cette année qui arrive à grands pas sera marquée par plusieurs événements, au nombre desquels il y aura l'organisation des Jeux de la Francophonie. Les 9e Jeux de la Francophonie, c'est 10 000 emplois directs et indirects qui sont créés, des infrastructures construites et rénovées pour abriter les Jeux. Nous avons la réhabilitation du stade des Martyrs et la construction de ces complexes annexes tels que le stade de basketball, le stade d'entraînement sportif, le village des Jeux à l'université de Kinshasa, c'est plus de 3000 mortoires réhabilités. Le président de la République, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné le ton. Il a été imité quelques jours par le ministre des Sports et Loisirs. À présent, c'est au tour du ministre des ITPR d'effectuer en compagnie de quelques membres du Comité international des Jeux de la Francophonie la ronde des différents sites retenus pour l'organisation de ces Jeux. Kinshasa, capitale de la RDC, va abriter du 28 juillet au 6 août 2023 la 9e édition des Jeux de la Francophonie. La visite du ministre des ITPR dans cet élément que nous propose César Auguste Bolikango Mobanzango. Les travaux ont atteint une vitesse de croisière sur les différents sites qui vont accueillir le 9e Jeu de la Francophonie de juillet 2023 à Kinshasa. Toutes les batteries sont en marche pour rendre disponibles les infrastructures attendues pour cette grande messe culturelle et sportive. À ce jour, le niveau d'exécution des travaux est estimé à plus ou moins 80%. Au stade Martyr, comme au stade Tata Raphaël, la phase terminale s'affiche. Je peux dire avec assurance que nous délivrerons tous les sites à temps, en tout cas pour la tenue des Jeux. Ce qui nous a fait plaisir aujourd'hui, c'est de voir la détermination de tout le monde. Et nous avons l'implication de toutes les autorités du pays, depuis son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui ne cesse de faire des descentes sur le terrain pour lui-même se rassurer effectivement de l'état d'avancement des Jeux, sans parler également du Premier ministre du gouvernement qui vient également nous accompagner dans ces travaux. Du côté de l'organisation, le Comité international de l'OIF émet également un avis favorable sur l'évolution des tâches. Je vois des grandes évolutions et qui répondent aux normes. Le pays a du grand parce que c'est au-delà des exigences quand même du côté de l'OIF, tout ce qui est côté du tennis de table, du judo, c'est vraiment de très grande qualité et c'est à la hauteur de la grandeur de la RDC. La RDC attend offrir des meilleurs moments de détente, d'hilarité et pourquoi pas d'effervescence avec ces 9e Jeux de la Francophonie. Il n'y a pas que les autorités politico-administratives qui inspectent les différents sites. Il y a aussi la Radio-Télévision Nationale Congolaise dans son rôle de tous les jours qui a dépêché ses reporters sur le terrain. William Albert Kandeka Basele et Benjamin Nzinga ont rencontré l'un des responsables de l'une des entreprises qui assure la construction
des infrastructures sportives qui, dans cet élément, nous explique le cahier des charges de ce qu'il fait pour en rapport avec l'organisation des 9e Jeux de la Francophonie. Responsable de la Compagnie Générale de Construction, une des entreprises qui construit les infrastructures sportives devant abriter le 9e Jeu de la Francophonie, Muntasser Abi s'exprime sur sa contribution dans les 10 préparatifs. Pour nous, c'est un honneur et c'est une grande responsabilité que le gouvernement, le pays et le président met en nous. Donc, c'est une grande confiance. Et pour nous, c'est aussi une fierté pour nous-mêmes de faire partie de ceux qui vont apporter cette réussite au pays. Nous sommes en train de construire le gymnase jumelé de basketball qui devrait contenir 3000 places dans la première des salles et 2000 places dans la deuxième. Et puis nous sommes aussi sur le stadium de basketball. Donc c'est le stadium qu'on a rénové, qu'on a couvert et toutes les salles ont été climatisées. Donc c'est quand même un travail que nous faisons aux normes FIBA pour que toutes ces infrastructures soient homologuées et pour permettre à ce que les Jeux se réalisent et d'autres Jeux aussi qu'on pourra faire dans l'avenir. Parce que notre pays en a besoin. Moi qui est né ici, j'aime ce pays. Donc vraiment pour moi, c'est comme je le dis, je ne fais que le répéter, c'est une grande fierté pour nous. Est-ce que votre entreprise, la Compagnie Générale de Construction, est à même de livrer l'ouvrage avant le 30 juin ou au plus tard le 30 juin? Oui, effectivement. En fait, on a connu quelques petits retards dans les livraisons des marchandises qui devaient arriver, mais nous nous rattrapons. Donc, nous travaillons jour et nuit. Et Dieu merci, tout est là maintenant. Donc, il n'y a plus de raison, je peux dire, qui ne dépendent pas de nous. Donc, s'il y a un retard, vraiment, ça serait de notre faute. Et je vous confirme qu'on aura les Jeux. Le 30 juin, tout sera livré. On va essayer même de le faire avant. Nous sommes une grande équipe qui travaillons sur le projet des Jeux. Il y a plusieurs entreprises. Donc, il y a l'entreprise qui s'occupe du VRD. Et elle est à pied d'œuvre. Donc, elle s'y met aussi, comme nous tous, avec toute la volonté qu'elle veut. Et je pense que tout cet environnement sera déjà propre et prêt pour recevoir tout le monde. Voilà. Depuis quand avez-vous commencé la construction de ces infrastructures? Bon, en fait, on a commencé il y a bien longtemps. Bon, il y a eu des hauts et des bas, comme on dit. Mais effectivement, c'est quand il y a eu le contrat qu'on a signé avec les ITPR, en bonne et due forme, comme on dit, qu'on peut considérer que les travaux ont débuté. Donc, je peux dire que c'était, si je me rappelle bien, en février 2022. Donc, c'était le début effectif des travaux, s'il faut le dire. Voilà. Le samedi 3 juin 2023 est une date charnière pour les différentes entreprises participant à la construction des infrastructures sportives des 9e Jeux de la Francophonie. Fermé pour réhabilitation, en marche toujours de ces 9e Jeux de la Francophonie, qu'est-il devenu ce stadium des martyrs qui a abrité plusieurs compétitions, tant nationales qu'internationales, de basketball, fermé donc pour la réhabilitation ou sa réhabilitation, ce qui a poussé les pratiquants de basketball à errer ça et là, en cherchant là où jouer les rencontres de la Ligue Propakine et même celle des Ebakine Est et Ouest. Ce stadium des martyrs est en train d'être transformé, n'est-ce pas, Willy Kandé et Benjamin Zinga? Prévision des 9e Jeux de la Francophonie, le site servant à la pratique du basketball au stade des martyrs connaît une totale réhabilitation, la transformant en une salle. Le superviseur des travaux, l'ingénieur Joseph Ajami, plonge sur les travaux qui restent à faire. Nous sommes au stade de Martyr où justement nous sommes au stadium basketball. La capacité de ce stadium était avant 600 personnes, maintenant c'était 800 personnes, un peu encore. Nous sommes à la moment de mettre au champ, ça reste deux jours, trois jours, comme vous dites, on amène le parquet, on amène le pillage, tout prêt. Donc à la fin de cette semaine-là, on fait, disons, cet étage-là prêt. Le siège déjà placé, vous voyez derrière moi, comme ça, déjà placé, déjà fixé, avec les époxy et les parquets.
Si ce n'est pas aujourd'hui, demain, si c'est passé là de Lyon, moi, si tu vois moi bien, si tu veux me regarder bien, donc terminer tout. Généralement, à la fin de semaine prochaine, aujourd'hui, nous sommes samedi, je vois que le samedi 10, ok, vous venez, mais tu vois aucune des personnes là, prête à. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? Là, on est maintenant à mettre le parquet. Mettre le parquet pour le jouer toujours avec ça. Aujourd'hui, demain, le parquet terminé. Lundi, où m'a dit tu vois les baskets et le basket là-bas. Je suis sûr qu'à la fin de semaine prochaine, le samedi, le 10, ce stade-là, bref, au thème de ce qui était comme je dis. Je vais promener le pas passé qui est venu dans une semaine. Attends, c'est à vous maintenant que tu te dis soit ça avance ou soit ça n'avance pas. Mais je suis sûr qu'à la fin de la semaine prochaine, tu viens, tu peux jouer. Un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras peut-on dire, de cette infrastructure sportive qui va désormais accueillir du monde, même à midi. Ainsi prend fin ce panorama des sports de ce lundi 5 juin 2023. On vous a parlé des Jeux de la Francophonie. On est à 53 jours du lancement de ce 9e Jeu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La fièvre monte et les visites se multiplient pour inspecter l'état atteint par les infrastructures en rapport avec l'organisation de ces jeux. Au niveau des interclubs de la CAF, USM Alger a remporté la Coupe de la Confédération au détriment des Young Africans de la Tanzanie, alors qu'en Ligue des Champions, Al Ahly d'Égypte a pris une option sérieuse pour les titres en dominant le Wydad Athletic Club Casablanca du Maroc. 2-1, la finale retour aura lieu le 11 juin prochain à Casablanca au Maroc. L'émission de ce lundi vous a été proposée grâce au concours d'une très très forte équipe. Derrière ma caméra, il y avait Nathalie Kikita, assistée d'Evelyne Ikulamba, et dans l'ombre, on a trouvé Edwige Mongomba, Nyamangwanza et Aris Mavula. C'est un peu exceptionnel de les voir. Côté technique, Gédéon Kola était au son, César Auguste Bolikango Banzangoulou a réalisé cette émission avec le concours de Olenga Gelor Mpaka. Les images ont été montées par Don Kubutana Bukatuka. Le concours rédactionnel était de William Albert Kande Kabasele et Déborah Londa Binoua. Au nom de toute cette forte équipe, nous vous disons merci et vous prions de rester branchés sur le programme de la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Excellente nuit à tous et à toutes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.